Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, merci encore de nous recevoir à l'émission. Hein. Merci encore de nous recevoir sur vos petits écrans. Vous êtes bien à l'émission Fafa avec le Daire toujours. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de spécial, quelqu'un qui fait un peu trop de bruit, quelqu'un qui a beaucoup trop d'ennemis, quelqu'un qui a beaucoup d'admirateurs, d'admiratrices. Bon, sous ça, on va voir clair dedans. Je suis avec Eunice Zunon de Zunon Book. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Je vois ma mère au. Ok, on dit pas. Ah bien. Ça va aller. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Alors, mesdames, messieurs, on l'a poursuivi dans l'obédience, on l'a attrapé aujourd'hui. Donc, c'est vrai, quand tu commences à être. Voilà, c'est ça, quoi. Elle est comme tu aujourd'hui. Les gens vont commencer à dire quoi, c'est complet. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, l'émission a bien démarré, on est bien assis. Bon, maintenant, les vraies questions, parce que vous voyez, quand je guette quelqu'un, je viens avec le cahier. Le cahier bleu, c'est le cahier bleu. On ne joue pas avec. Personne ne peut fuir en voyant ça. Hein, mesdames et messieurs. Alors, Eunice, Abidjan te plaît? Ça va? Ça va bien, Abidjan? Tout va bien. Dieu fait grâce. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Au calme. D'accord. Mais aujourd'hui, là, tu étais un peu fatigué. Hein? C'était compliqué de t'avoir. Oui, j'étais fatigué, mon cher. La vie, c'est comme ça. Souvent, il y a la fatigue. Souvent, ça va. Je suis fatigué. D'accord. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mm. Voilà. C'est qui? Eunice Zunon, c'est qui? Eunice Zunon, c'est une go noire. Elle a deux yeux, une tête. Elle est noire. Bon, voilà. Une femme. Mm-hmm. Qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà, mais une nouvelle sorte de vidéo, on va dire, un nouveau truc, un nouveau genre. Mm-hmm. Voilà, je fais des montages vidéo et tout. Je parle plus des célébrités ivoiriennes, mm-hmm. dans le showbiz. Voilà, mais il m'arrive aussi de parler des temps de la société. D'accord. Voilà, c'est Eunice Zunon qui est là. Et je m'inspire beaucoup de Yann Barthès, du journal quotidien. D'accord. Yann Barthès qui était sur il était canal, sur l'autre avant, maintenant il fait le quotidien. Il fait le petit journal après. Oui, maintenant le quotidien. On va dire, quand j'ai commencé, je ne savais pas qu'il faisait ça. D'accord. Et en faisant ça, après on m'a dit, mais c'est le style de Yann Barthès. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Alors, pourquoi tu as choisi ce carnaval, hein? Tu pouvais faire d'autres sortes de vidéos et tout, mais tu as choisi de te moquer des gens. Non. Pourquoi tu as choisi de te moquer des gens? C'est que tu en as fait un métier. Je n'ai pas choisi même de faire vidéo même à la base. Et ça s'est imposé à moi. Vous savez, souvent, là, tu arrives, il y a une période de la vie où c'est un peu compliqué financièrement, de façon là. Mm-hmm. Quand tu es à la maison, même vers ton monde, tu as cassé la maison. Mm-hmm. Là, j'étais dans ce petit truc-là un moment. Et puis un jour, j'ai dit, je vais faire des vidéos pour passer le temps. Et comme ça, faire des vidéos, n'importe quel, même, tu parlais de n'importe quoi. Moi, ça ne me faisait pas rire, je faisais juste comme ça. Et c'est dans ça que, un jour, mon ami m'a dit, mais fais une page. Moi, tu mets ça sur ton compte Facebook, tout ça. Mais qui va regarder? Non, on me connaît où? Il m'a fait mettre. Donc, dans ça, j'ai commencé à mettre les vidéos là-bas et tout. Mais la première vidéo, montage là, c'était avec le monde Arafat. Et une autre femme burkinabé, elles avaient des histoires par rapport à Arafat. Oui. Voilà. Et je ne sais pas d'où l'esprit est venu. Mm-hmm. Et j'ai essayé de les confronter comme ça. D'accord. Puis j'ai lancé ça comme ça. Ça a plu aux gens et j'ai continué à faire ça comme ça. Parce que je n'aime pas trop travailler en groupe. D'accord. Voilà pourquoi je suis beaucoup seule dans ce que je fais. Mm-hmm. Voilà. Donc j'ai dit, bon, ça ne va pas m'obliger à parler avec quelqu'un d'autre là. Mm-hmm. Moi-même, je peux gérer mes choses en tout cas. Elle aime. C'est parti toujours depuis aujourd'hui, mais c'est pas pour me moquer des gens. Ah, sinon, c'est ce qu'ils se disent. Et ce qu'ils vont dire, c'est parce qu'ils comprennent pas. Et ça, là, ceux qui comprennent, savent que c'est pas moquer. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que tu es consciente que certaines personnes te traitent de calomnieuse? Est-ce que tu es consciente de ça? Et certaines personnes disent que Eunice Zunon fait cette vidéo pour calomnier les célébrités, pour faire en sorte de les rabaisser. Est-ce que tu es consciente de ça? Moi, est-ce que c'est moi qui prends le portable pour faire direct? Est-ce que c'est la personne qui c'est moi qui les rabaisse? Moi-même, là, je fais ça même pour les arranger en esprit parce que quand un artiste célèbre pour faire direct pour dire que je vais tuer telle personne, je vais assassiner telle personne, mais je vais attaquer telle personne, là. Moi, comment je fais mes vidéos là, ça leur fait rire. Mais ça, là, en esprit, ça ne fait pas rire. Ça, là, c'est pas une bonne chose. Quelqu'un, un être humain, ne doit pas dire ça. Mais moi, je prends et puis j'arrive à galérer avec, ne pas que les gens voient le côté sérieux. C'est ça, là, qui est calomnie. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se comprennent pas, ils ne me comprennent pas. D'accord. De toute façon, on va aller au fond de la chose parce qu'il faut que tu nous expliques bien.
Parce que voilà, en faisant ça au début, ça plaisait aux gens. Bon, les gens se sont dit, bon, voilà quelqu'un qui utilise des choses un peu graves pour faire de l'humour, pour que ce soit un peu léger. C'est parce après, que. Dans certaines personnes ont commencé à. C'est parce que, actuellement, je ne faisais pas interview, je ne faisais pas clip, je ne faisais pas. Je ne me promenais pas, on ne demandait pas mes services, que les gens ne trouvaient pas que c'était important de dire certaines choses. Comme maintenant, je commence à un peu évoluer, Moi, je vais commencer un peu, petit truc qu'on a mis, moi ça peut me sortir là. En même temps, ça ne lève les pas, il va commencer à parler. Sinon, moi là, je n'avais pas une limite. Moi, c'est quand on appelle une limite, je ne connais pas. Mais des jours, je ne sais pas où ils ont quitté, ils sont venus me trouver, aïe, je suis choquée, mon moi, je suis qui? Et puis, il y a une limite. C'est ça, non? D'accord, il n'y a pas de souci, mais... Tu as eu un clash avec une dame qu'on appelle DS Collection. Voilà, le clash que tu as eu avec elle, bon, franchement dit, tu as eu des propos vraiment blessants à son égard. C'est ça qu'on appelle la colère. Voilà. Pourquoi tu as réagi comme ça? Parce que toi, comme les gens disent dans la ville, Eunice, elle se moque des gens et elle ne veut pas qu'on se moque d'elle. Ce qu'elle fait aux gens, elle ne veut pas qu'on lui fasse. Attends. Mais tu as été très très violente avec cette dame. Oui, pourquoi j'ai expliqué? J'ai dit que moi je ne me moque pas des gens. Vous me voyez en train de faire statut pour dire que telle personne a même son cul est penché. Ou bien quand la personne marche là même, ses pieds là même sont un peu X. Il y a des choses, il faut avoir des limites. Vous ne pouvez pas venir prendre des images pour venir dire que vous venez critiquer mon physique ou bien mon corps, mon intimité et tout. Ça, ce n'est pas de l'attachement. Ça, on appelle ça de la méchanceté. C'est différent de ce que moi je fais. La fille. Elle, je me dis que, bon, souvent, tu n'es pas trop bien dans la tête. Qu'est-ce qu'elle a dit pour que tu réagisses comme ça? Non. Pour ceux qui n'ont pas vu. C'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais le truc, c'est que je l'avais oublié, au fait. Je sais que la première fois où on a eu des histoires, j'ai fait une vidéo sur elle et je l'ai comparée à Emma Loès. Elle m'a dit qu'elle, elle suit mes vidéos, elle m'apprécie beaucoup, mais ce petit côté où moi je l'ai comparée à Emma Loès, elle n'a pas apprécié et elle ne veut pas que ça se répète. Quand elle a fait le direct, moi j'ai vu le direct après, elle dit ah d'accord, c'est le côté là qu'elle n'a pas aimé. Donc j'ai arrêté. J'ai plus fait de vidéos pour la comparer à Emma Loulette parce que, avec ce que je vendrais, que Emma Loulette, ça arrive à Nino Bruno. Donc j'ai arrêté. C'est un top que tu nous donnes comme ça. Ah, non, c'est ce qu'elle a dit. Mm-hmm. Elle a déjà dit dans ses vidéos, tout le temps, elle passe son temps à insulter Emma Loulette. Donc elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Après encore, elle a même donné son numéro de l'appeler pour passer chez elle et tout. Que si moi je veux, comment on appelle, la mettre dans ses vidéos, elle m'a donné les torts, tout ça et tout. Donc on dirait qu'elle a donné son numéro. Mais moi, je ne suis pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas aller chez toi. J'ai dit que ce n'est pas quelque chose, j'ai arrêté, ton et c'est fini. Et j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui aimait qu'on lui accorde l'attention, mais je ne l'ai pas fait. Après, elle est revenue encore m'envoyer des messages inbox pour me dire qu'elle voulait que je retire sa vidéo maintenant. La vidéo de Je vous embrasse, que moi j'ai aimé. J'ai aimé la vidéo, elle a décidé de mettre ça à la fin de mes vidéos. Elle a dit non, elle ne voulait plus. D'accord. Seulement que le premier message, je ne l'ai pas vu. C'est le deuxième message, elle m'a envoyé un deuxième message pour dire je t'ai dit d'enlever la vidéo et tout, tu n'as pas enlevé. Mais elle t'envoie un message inbox, comment tu as fait pour ne pas voir? Mais sur ma page Facebook, là, je reçois tellement de messages, je ne peux plus. Non, mais si tu cliques, message envoyé par DS Collection, tu vas voir les messages. C'est même pas DS Collection, elle, c'est sur son compte privé, son compte Facebook. Ah, c'est personnel. Voilà, elle poste ça sur sa page. Et moi, c'est Sarah Diaby. Moi, je ne peux pas savoir. Moi, je ne savais même pas qu'elle s'appelait Sarah Diaby. Je ne suis pas informée sur sa vie. Je ne sais pas ce qu'elle fait, comment, pourquoi. Parce que voilà, quand je fais mes vidéos, la plupart du temps, je ne connais même pas vraiment les gens. Tu ne connais pas les gens qui te les attachent. C'est ce qu'ils font là, que moi je reprends. Sinon, je ne sais pas les connaître vraiment. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. D'accord. Voilà, tu vois. Donc, c'est à partir de ce message. C'est le deuxième message qu'elle a envoyé. Je venais de me réveiller même le matin. Quand j'ai ouvert mon Facebook, en même temps, le message s'est affiché. Donc, j'ai ouvert. Et j'ai vu qu'elle a envoyé un message. Ah, je t'ai dit de retirer la vidéo, tu n'as pas retiré. Je vais envoyer mon avocat et tout. Elle a essayé de me menacer. Elle m'a menacé. Donc, en gros. Tu as réagi comment? Je lui ai dit que si elle avait l'œil, elle allait voir que je n'avais même pas ouvert le premier message qu'elle m'avait envoyé. Sinon, mon intention n'était pas de la choquer, bien de heurter sa sensibilité. Si j'avais vu le premier message depuis, j'allais enlever la vidéo. Mais moi, je voulais donner un conseil. Quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas essayer de rentrer dans les menaces. Parce que tu ne mets pas d'avocat, tu ne mets pas le temps. Moi aussi, je connais mes droits. D'accord. Donc, ça ne peut pas arriver jusque-là. D'accord. Si j'avais vu, j'allais enlever.
ne faut pas me menacer. C'est tout. Et j'ai informé maintenant ceux que mes abonnés. Mm-hmm. Là, je dis que, ah, voici, DS m'a envoyé un message. Elle ne veut pas que je mette sa vidéo dans le même montage. Donc, je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus DS dans mes vidéos. Parce que j'ai un gars que je mets aussi là. Souvent, quand je l'enlève, les commentaires, pourquoi j'ai enlevé. Pour éviter ça, j'ai essayé d'informer tout le monde. D'accord. Et aussi, ça a servi. Parce que si je n'avais pas informé aujourd'hui, on aurait dit que je n'ai pas dit, et voilà, toi, elle est retombée sur moi. D'accord. Donc, après l'information, d'abord l'information, j'ai fait la capture de ce qu'elle a envoyé, inbox, et j'ai mis ça sur les réseaux, sur ma page. Mais après réflexion, j'ai vu que je n'avais pas le droit de ce qui est privé. Bien sûr, donc, elle a monté dans un rapport à ton privé, je n'avais pas le donc, droit de donc, voilà, je n'avais pas le droit de faire ça, donc je me suis remise en question et j'ai supprimé le truc, mais j'ai laissé le post. Voilà, pour dire qu'elle ne veut pas, voilà. Donc, j'ai comme ça. Après, elle a dit des choses là-bas, elle a écrit des choses, mais je n'ai pas répondu. Donc, on a terminé le chapitre DS. Il y a eu ma copine, Ruby, la comédienne qui a été agressée à l'aéroport. Voilà, je la connais un peu quand même, on a eu à se rencontrer. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il faut que je réalise dessus parce qu'elle et moi, nous sommes des influenceurs, tu vois. On allait trouver que ça fait rire bien quoi, mais c'était un peu sérieux. Donc, j'ai essayé de faire un direct, parler de ça. D'accord. Donc, dans le direct, je disais que s'il y a une personne qui avait l'intention de faire la même chose, c'est-à-dire me tendre un piège et tout pour m'attaquer de cette manière, vraiment, ça n'allait pas arriver. Parce que moi aussi, j'allais me défendre. D'accord. Et la personne, voilà, peut-être que c'est la personne qui allait se coucher. D'accord. Parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Eux, ils sont à l'aise pour mais consulter. Elle s'est fait agresser par qui? Elle est montée dans la partie agressée ou quelqu'un est venu là-bas? À l'aéroport parce que la dame, lui avant, voyait... La dame avait fait un commentaire déplacé sur son poste où elle insultait Ruby. D'accord. Et après, elle envoie des messages à Ruby inbox. La dame qui l'a attaqué, au d'accord, fait. D'accord. Elle envoie des messages à Ruby inbox pour l'insulter. Et Ruby aussi, c'est un être humain. Quand elle a vu, elle a répondu. Et elles se sont insultées. Et puis après, bon, Ruby est passée. Parce que quand nous, on insulte là, nous, on ne dort pas dessus. Nous, on passe. On répond, mais puis on passe à autre chose. Mais la femme, elle a gardé. Et là-bas, elle a croisé Ruby. Elle a dit, mais c'est pas celle-là. Elle va montrer que Jean, elle a trop force. Et toi, tu insultes les gens, et les histoires. Eux-mêmes, ils ne supportent pas qu'on les insulte, mais ils passent le temps à insulter les gens. Attends, nous, quand on donne une fois, c'est fini. D'accord. La vie continue. Donc, elle a agressé Ruby, en fait. Elle a agressé Ruby. C'est ce qui a fait que toi aussi, en faisant ta vidéo, tu as dit, j'ai dit que c'est quelqu'un qui... Voilà, qui avait l'intention de me faire ça, ça n'est pas passé. D'accord. Parce que, je suis bêté pour vous, petit côté burkinabé, ça ne va pas passer. On va se battre jusqu'à 2 jours. Voilà, donc c'était ça le message. Après, je rentre à la maison fatiguée. Ma soeur m'appelle, voici affaire, on va faire direct. Genre, DS s'est senti indexée. Elle s'est indexée alors que, quand j'ai dit que je ne m'occupe pas des gens, de la vie des gens, c'est ça là. Et ce qu'elle fait, mais je ne connais pas son actualité, c'est qu'elle fait comment, pourquoi, ça ne m'intéresse aucunement. Je viens le soir, fatiguée, même il y a un discours, même il n'est pas encore fini de régler. Je partais expliquer à ma soeur, elle m'envoie direct de venir. Mais toi-même, quand tu as dit ça pendant ton direct là, tu sais que on peut dire que c'est la seule personne avec qui tu étais en clash. Non, je suis désolée. Ou bien, c'est la seule personne avec qui il y a eu vraiment des messages privés. Non, je ne suis pas en clash. Mais dans les messages, il n'y a pas eu de clash. Non, je veux dire qu'elle n'était pas contente de toi. Bon, elle a eu à te menacer. Et toi, tu lui as dit, mais ça, c'est il ne faut pas me menacer si tu ne me connais pas. Ça, c'est son problème. Donc, si toi, tu dis ça. Je ne suis pas en clash avec elle. D'accord. Si c'est elle qui a prévu m'attaquer là, ça, c'est dans sa tête. Elle a un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Sinon. Si moi je Quand tu disais, tout le monde, aux abonnés, aux personnes, aux internautes qui ne m'aiment pas peut-être, sans raison, sans me connaître. D'accord. Donc je parlais, voilà, pour m'adresser à tout le monde. Elle s'est indexée parce que peut-être dans son esprit, c'est elle qui voulait m'attaquer. Je n'ai pas compris. Il dit, je viens, cette fille-là même. Donc elle me suit. Parce qu'elle sait que j'ai fait direct dans le salon, j'ai fait direct ici, commencer à me dénigrer, comment j'ai fait. Et puis elle dit même pas partout, elle dit pas tous. C'est ça qui m'a énervé. Pourquoi elle va dire pas tous? Elle dit, on dit pas partout. Tu vois, donc ça a gâté mon cœur, pas tous. Et encore, et puis elle a dit n'importe quoi, elle me connaît, c'est que moi j'habite dans quel quartier. Tout ce qu'elle a dit, en famille, tout ça. C'est vrai que tu habites en famille. Lui, Haïti, c'est ma maman. J'ai dit ça toujours dans mes directs. Tu vois, une femme même
normalement, une femme qui se lève de la maison pour aller vivre ailleurs, même, c'est pas intéressant. On ne peut pas venir me chercher pour aller me marier, il ne peut pas me lever comme pour aller dans une maison. Si on dit même là, il n'y a plus une maison là. Et ça n'est pas petit travail, il est parti dehors. Puis 6 mois après, il revient à la maison. Il ne peut pas. Je ne suis pas encore prête. Non, mais pas voilà, mais je ne suis pas encore prête pour partir. Et on ne m'a pas chassée, tu vois. Mm-hmm. Je suis à l'aise, je suis au KLM. Au KLM, ça veut dire au calme, mesdames. Voilà. Du moment où je ne fais pas manger chez quelqu'un, mm-hmm. mais je ne lui ai pas donné quelque chose. Pas me dire quoi que ce donc soit. C'est après cette vidéo là que toi aussi tu as très mal réagi. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Je dis, mais je ne lui parle pas au fait. Je ne m'adresse pas à elle. Pourquoi elle m'attaque gratuitement? Ça m'a énervé. D'accord. Donc je me suis dit qu'elle est un complexe. Elle est complexée. Elle a un mal-être. Et moi, ce n'est pas seulement que ça doit déteindre. Parce que aussi, j'ai fait ça aussi pour dire aux autres aussi que vraiment, c'est vrai que je fais des vidéos, mais à un moment, j'ai ma personnalité à moi-même. Ce qui est loin de mon personnage. D'accord. Voilà. Ma personnalité là, moi-même là, je n'aime pas me faire marcher dessus pour n'importe quoi. Et c'est ça qui est ressorti. Sinon, Eunice Dino qui fait, moi je fais vidéo là, dans mes vidéos là, c'est pas ce que je suis. D'accord. J'ai ma personnalité, puis j'ai mon personnage. D'accord. Faut pas, ils vont baigner les choses. D'accord. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui là, est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes tous les propos que tu as eu à. Oui, vis-à-vis d'elle. Oui, je regrette les propos là. Je regrette parce que c'est pas. C'est vilain de voir une femme en train de grossièreté. C'est vraiment, ça m'a gêné après de me voir en train de faire ça. Ça m'a mis mal à l'aise. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, donc j'ai dit non, c'est pas intéressant. Même si je suis énervée, je pouvais m'énerver chez moi à la maison. Parce que tout le monde s'énerve, en fait. Tout le monde critique chacun, mais on n'a pas venu se mettre comme ça sur les réseaux pour insulter. Ça ne m'a pas honoré. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas moi. J'allais m'énerver, peut-être qu'elle était en face de moi, j'allais se dire les bêtes. Mais me donner un spectacle devant le monde entier, c'est intéressant. Donc, moi-même, après, j'ai dit ciao, je n'ai pas dit. D'accord. Alors, le chapitre, voilà le chapitre DS Correction qui se court maintenant. Mesdames et messieurs, on est toujours avec celle qu'on appelle Eunice Book, Eunice Zinon Book. Ouais, on est avec elle et on est en train de papoter. Parce qu'on doit savoir des choses. Hein. Je vous propose cette vidéo de Tout Suti. Let's go. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette très belle plage musicale de Tout Suti. Ouais, ça, c'est un artiste que Eunice aime bien. Voilà. Alors, Eunice. Voilà, moi j'ai l'impression, parce que tout à l'heure quand j'ai demandé qui est Eunice, tu as dit non, c'est une jeune fille, bon, tu as deux yeux noirs, bon, une bouche, pourquoi tu as précisé noir, pourquoi? Mais c'est pas ce que je suis noire. Non, c'est un moyen de me présenter. Mm-hmm. Je suis noire, j'ai deux yeux, j'ai une bouche. C'est ce que je suis. Non, parce que, pourquoi moi je demande cela? Parce que j'ai l'impression que tu es un peu, tu es comme si tu étais un peu complexé par ton teint noir. Alors que les gens aiment ce genre de teint noir là. Hein? J'ai dit, je ne peux jamais, au grand jamais, dire que je suis complexée. Quoi? Ça, c'est mon café cacao. C'est mon fond de commerce. C'est bien. Ça veut dire quoi? C'est mon fond de commerce. Parce que ça, quand les cosmétiques m'approchent, c'est par rapport à mon teint. Ah, elle a fait un joli teint noir. Moi, j'ai pour moi de teint noir. Actuellement, je n'accepte pas encore le travail avec des marques parce que je ne trouve pas que ce qui serait m'approcher actuellement là. Voilà, c'est pas encore ça. D'accord, donc, c'est pas crédible selon toi. Voilà, c'est pas encore ça. D'accord. Voilà, c'est un grand truc. Donc, je me réserve. D'accord. C'est là. Ah, donc, tu as bien fait de dire, parce que tu connais les Ivoiriens, tu as dit c'est mon fonds de commerce, c'est mon café cacao. Les gens m'ont dit, ah, donc, un peu de son ou c'est banque. Moi, c'est ce qu'ils m'ont voulu te demander. Comme tu as bien les. Parce que quand les Ivoiriens, ils sont un peu. Il faut que. Mais si, mais il n'y a pas vidéo, pourquoi? Il n'y a pas de me vendre en état. Il doit y avoir là. Mais c'est déjà la passion, c'est déjà bon. Alors, il y a un sujet qui est d'actualité. Voilà, il s'agit de la vidéo que tu as faite sur comment il s'appelle, Madame Eric Bailly. Voilà, qui a indigné les gens. Beaucoup de même tes fans même se sont indignés par rapport à ça. Et au col indigné, eux dans leur maison, dans leur canapé, ils ont critiqué la femme le matin, midi, soir jusqu'à. C'est quand ils disent sinon, on va dire ce que vous pensez là, que vous allez venir m'attaquer. C'est pas ma vidéo qui les prépare, c'est moi-même qui ne les prépare. Moi, c'est pas la vidéo là. C'est pourquoi c'est moi qui vais dire ça. C'est ça qui les gêne. Sinon, d'accord. Tout le monde à la maison là-bas. Mais qu'est-ce qui t'est venu à la tête et puis tu as critiqué la femme de quelqu'un comme c'est ça? Pas, c'est pas venu à ma tête, de ma tête ou bien à ma tête ou bien derrière ma tête. Comme tu veux. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Mm-hmm. Les pages ont publié.
Parce que non, les photos, mm-hmm. les photos et tout. Mm-hmm. Et quand ils publient, ils font exprès. Ils ont mis avant et après. Là-bas, ils ont mis, ça peut parler les internautes. Les gens et tout, ceux qui suivent et tout. Eux aussi. Parce que comme je fais mes vidéos là, je regarde aussi les commentaires des gens sur des vidéos. Là, j'ai vu la vidéo de Docteur Yao et tout. J'ai regardé les commentaires, ce que les gens pensent de la vidéo. J'ai regardé là-bas en fonction de ça que moi je fais mes vidéos. D'accord. Donc, j'ai vu beaucoup de commentaires qui parlaient du teint de la dame. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo sur ça. Mais comme moi, Eunice, je ne peux pas me lever pour dire à une femme comme ça, j'ai fait une vidéo sans parler. Non, moi et j'ai vu la vidéo où tu disais que non, madame Eric Belle est belle, t'es noire, oui, déchirée, oui, on met la photo à Paris. Mais elle est après, elle est parlé. Quand c'est là, elle est parlé, j'ai pas parlé. Mais ton expression, ça voulait dire, elle a tout dit. Voilà, c'est ça pour dire tout que, dit. C'est pour dire que moi-même, Eunice, là, Eric Belle, tu ne peux pas me lever pour me dire ça. C'est une boucle là, qui est obligée de parler ça. C'est ton personnage. C'est mon personnage qui est obligé. Le personnage que tu incarnes. Que j'ai, voilà, que j'incarne, mm-hmm. qui est obligé de faire ça. Sinon, c'est pas mon Eunice. C'est moi, il veut dire, à la maison. Pourquoi il fait vidéo pour venir dire rien? Tu vois. D'accord. C'est mon personnage qui m'oblige à faire vidéo sur ça. D'accord. Eunice a l'habitude de faire des vidéos. Et pendant une autre boucle, elle a l'habitude de faire des vidéos sur l'actualité. L'actualité, elle fait ça. C'était, trois ans après, quand elle s'est mariée, aussi, c'est passé. C'était ça l'actualité. Mais comme moi-même, Eunice, pas me lire pour dire une femme, c'est que. Parce que moi-même, j'ai une femme aussi. Et le sujet des femmes, là, c'est très sensible. Quand toi-même, tu es une femme, mm-hmm. comment je vais faire pour que les gens sachent que je suis l'actualité. Voici la meilleure manière. Je pourrais faire un montage vidéo pour causer quelqu'un et puis y aller parler. Et je me dis, bien quoi. Mais c'est pas moi. Et Zinobu doit forcément parler. Qu'est-ce que je peux faire pour que Zinobu parle? C'est ça qui a été ma solution. Voir sans parler. D'accord. C'est ça. Maintenant, ça a créé ce que ça a créé. Mm-hmm. Voilà. Elle-même n'est pas contente, son mari n'est pas content, beaucoup des voisins ne sont pas contents et tout. Est-ce que tu as conscience que quelque part, elle, ça l'a. Ta vidéo? Parce que mm-hmm. c'est facile de dire que oui, les pages ont fait avant toi et tout, mais toi. Et ces pages-là, ce n'est pas la même répercussion. Mmh. Aujourd'hui, toi, Zunon, tout le monde te suit. J'ai remarqué ça. Te suit et tout. J'ai remarqué ça. Donc, ça n'a pas le même impact. Enfin, moi-même, là, j'ai douté un peu de mon influence. Hein. C'est quand j'ai fait une vidéo, là, j'ai vu que moi-même, j'étais très, très influente. Parce que c'est moi, ma vidéo, là, que les gens ont fait tourner. Quand on les pages ont parlé, personne n'a dit quoi que ce soit. Mais c'est une, c'est Zunon Book qui a dit, là, ça qui arrive, nous. Et moi, quand j'ai fait la vidéo, comme toujours quand je fais des vidéos, ce n'est pas pour dire que toi, viens t'énerver, bien je vais te lancer flèche, je vais te piquer. Dans la vidéo, les gens riaient. C'était ça le résultat. Mais quand les pages ont relayé la vidéo, les gens insultaient. Ah, les gens t'insultaient toi? Pas moi, la dame. La dame, d'accord. Tu vois. Sur ma page, ils ont ri jusqu'à combien de minutes, il y a 2000 likes, combien de vues en même temps, combien de minutes. Et quand les pages ont fait, c'était des insultes. Mais les gens ont des rires, mais plus d'insultes que de rires. Quand j'ai vu, c'est après on va rire pour passer, devenir un jus. Moi, je ne peux pas être responsable de ça. Parce que déjà, la dame même, c'est pas un personnage public. Ouais, c'est vrai. Voilà, parce que la dame, c'est pas un personnage public. Son mari peut-être lui, mais elle non. Moi, je ne vais pas me mettre dans ça. Elle dit, si on va quelque part, je n'ai pas raison. Ça ne va pas m'arranger. Et yo, attends, oh, j'ai un bébé. Mais le mal était déjà fait. Mais le mal était déjà fait. Mais attends, j'ai enlevé ma mère. En même temps, attends, j'ai enlevé. Oui, j'ai enlevé. C'est comme ça. D'accord. Mais sinon, il pouvait dire que, je sais, je n'ai pas m'en fous. Je ne vais pas aller où ça s'en va, c'est ma vidéo. Et, comme il dit d'habitude, non, il fait mes vidéos pour faire. Mais la dame, elle, elle ne devait pas, parce que c'est pas un personnage. D'accord. Ou bien, tu as enlevé, parce que peut-être tu as eu peur que son mari utilise ses relations pour te faire quelque chose. Peut-être tu as eu peur un peu. C'est vrai qu'il peut avoir des relations, mais ce n'est pas la peur même déjà. Le premier truc qui m'a fait enlever la vidéo, le premier truc là, c'est ce que je viens de dire. Mais si on a fait des peurs même après, c'était ça d'abord. C'est pas intéressant. Oui. D'accord, mais est-ce que tu as été contacté par
par des proches de la dame, ou par des proches de son mari, soit pour te menacer, même pour te faire comprendre que tu as mal fait, que tu n'es pas content. Non, elle ne m'a pas menacé. Il y a un monsieur, j'ai oublié son père, c'est Thierry, ou bien Thierry Bailly, ou bien je ne sais pas. C'est son frère, mais c'est le frère de Bailly qui m'a appelé, qui m'a demandé, il m'a dit ah bonsoir, il dit bonsoir, il m'a dit ah que je suis Thierry Bailly. Il a dit ok. Mais l'avocat de Bailly, il n'a pas pensé que voilà. Mm-hmm. Non, je suis le frère de Bailly. Il dit ah d'accord, ok. Il dit non, en fait, je l'appelais parce que j'ai vu la vidéo que tu avais postée là, vraiment, mm-hmm. Ça nous a fait, en tout cas moi ça m'a dérangé un peu, on t'aime bien voir tes vidéos, mais ça là vraiment ça nous a fait bizarre comme c'est la femme de mon frère et tout ça. J'ai dit non, j'ai retiré la vidéo depuis et il s'est fait, mais bon, voilà quoi. Mm-hmm. Mais les réseaux sociaux, ça voilà, m'a l'air. Moi-même j'ai supprimé parce que après moi-même ça m'a fait un peu truc, mm-hmm. voilà. Tu m'as dit vraiment, tu ne peux pas que ça se répète tout ça. Je lui ai dit non, on ne va pas rentrer dans les... Non, il ne faut pas que ça se répète. Il y a ce premier là. Il sait que ce n'est pas bien. On a qu'à se bloquer là. D'accord. On va avoir certaines considérations. Mmh. Voilà. Après tout ça, est-ce que. Bon, ça, c'est, je vais te reposer encore la question. Est-ce que tu regrettes un peu d'avoir fait ça? Toi, en tant que personne, est-ce que tu regrettes d'avoir, on peut dire, je ne dirais pas sali la dame, mais de l'avoir un peu exposée de cette manière? Et oui, de l'avoir exposée. D'accord. Et oui. D'accord, mais bon, supposons elle est devant sa télé et elle te regarde. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce que je peux lui dire, c'est qu'il est zanté. Il y a qui? Sabaï, Gafari. C'est pardon. Pardon. C'est souvent, comme j'ai dit là, c'est pas moi. Sinon, beaucoup souvent prend le dessus sur moi. Mais quand moi-même je reviens à moi, je réalise que certaines choses je ne devais pas. Sinon, moi-même, je ne te connais pas. Ou dis que je vais venir faire quelque chose, je vais te blesser. Donc, ce n'est pas mon intention. Tout ce que je peux dire, c'est pardon. Voilà, j'ai retiré la vidéo pour le respect que j'ai pour toi et ton mari. Sinon, bon, pour vous, et ça, c'est pour ça que je suis un poli. Pour vous. Donc, vraiment, je m'excuse. Je vais savoir un peu où je vais mettre mes pieds. Sinon, j'ai compris, le message est passé. Sans même que vous dites quoi que ce soit. D'accord. Voilà qui est clair. Alors, Elise, moi j'ai remarqué un truc chez toi. Tu es quelqu'un de très impulsif. Ça, c'est vrai. Et tu te vexes très vite. Parce que j'ai vu que souvent tu as été attaqué par les gens sur les réseaux sociaux et tu as réagi de manière très impulsive en fait. Mm-hmm. Pour quelqu'un qui aime parodier, tu sais comment dire en Afrique, quand tu aimes te moquer, les gens voient ça comme la moquerie. Parce que on peut dire que tu es la première à avoir fait ça. Avoir fait des vidéos collées et tout. Et toi-même, c'est comme si tu t'adresses à la personne. Ça, c'était nouveau, ça s'appelait aux gens. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille. Tu vois? Et les gens disent que, mais Elise, elle aime se moquer des gens. Quand on la tâche maintenant, on se moque d'elle maintenant, c'est elle qui se passe, c'est elle qui se plaint. Hein? J'ai remarqué, c'est comme toi-même, tu as dit que tu es bête, tu es gros ménager, tout ça. C'est-à-dire que tu as bloqué. Ou bien. Ok, que la navette, comment on s'appelle, jamais sorti de ma poitrine, c'est un gros poilu. On a même que là. C'est tout. Mais on n'a pas les mêmes réactions, c'est tout. Parce que chacun accueille des nouvelles, mais c'est pas. Chacun aussi a sa manière de réagir face aux nouvelles. D'accord, parce que moi je vais te poser des questions. C'est Fafa, donc on y va. Hein. Voilà. Ah, oui, c'est Fafa. Tu avais posté une photo de toi, quand les gens commençaient à dire ah, mais toi, mais tu n'es pas jolie, tes seins sont tombés, tout ça, machin. Et comment tu as accueilli cette façon de réagir vis-à-vis de toi? Moi personnellement, j'ai trouvé ça un peu méchant de leur part. Si tu as trouvé méchant, c'est que moi j'ai trouvé ça comme. Si tu as vu, c'est pas toi qui as trouvé. Mais ils ont dû faire ça pour voir ta réaction. Parce que comme toi, mais tu m'as attaché là. C'est pas ça, ce n'est pas de l'attachement. On est là. Arrivé à cet instant, on appelle ça de la méchanceté gratuite et de la sorcellerie. Ça là, c'est pas attachement. J'ai porté la bille, c'est pas pour moi. Et puis quoi? Tu peux me dire même pas, elle a porté habillé sa petite soeur. Mais il y a comment ça assez? Je suis fâchée pour ça. Pourquoi j'aime m'énerver parce que tu as dit qu'il y a porté habillé ma petite soeur? Moi-même là, j'ai dit ça, ça me fait rire. Mais c'est quand tu as dit que moi, mon intimité, c'est ça, il dit non. Tu m'as déjà fait une vidéo et puis il dit que la fille là,
sa poitrine, là, même, ça devait être vers ici, mais pourquoi Dieu a mis ça ici? Bien comme ça. Et encore, ce qui même énerve, c'est que ce n'est pas vrai de mettre dessus. Et les gens commencent à parler. Quand ils n'ont rien à dire, mais t'as là, ça, c'est pas intéressant. J'ai fait une vidéo, c'est vrai que je suis exposée, mais un peu de respect pour moi. Non, mais tu sais, comme on dit, si tu veux être un personnage public, il faut être prêt à accepter, bon, je ne dirais pas accepter peut-être, mais il faut être prêt à encaisser tous ces coups-là. Mais ça, elle dit, c'est pas préparé, en fait, tu n'es pas préparé à ça. Pourquoi moi, on dit que moi, je n'accepte pas. Pourquoi quand ils ont fait ça, quand moi, je l'ai fait, pourquoi ne pas accepter ce qu'il a dit? Pourquoi le poste qu'il a fait après, ça n'a pas accepté? On n'a qu'à s'insulter. Toi, ils n'ont pas accepté. Moi, je ne comprends pas. Dites-moi, Eunice, habite-tu à voter dans ça, à serrer ton âme, bien tu viens enlever ton cœur. Tu vois. Mais tu ne vas pas venir chuter comme ça. Mais oh. Déjà, même que tu es une femme déjà. Tu es une pas... femme déjà. Et même, ce sont des femmes qui vont faire des commentaires. Ah bon? Comme si elles-mêmes, elles ne vont pas vivre. Et même, le tu sais que. Non seulement ce n'est pas vrai, c'est une jolie femme, c'est une très belle non, femme. Non, moi je te dis, non, là tu es très belle. Tu vois ouais. Et les filles qui viennent commenter là, c'est elles qui ont toujours problème. Si c'est pas sur leur corps, c'est dans leur tête. Et elles viennent commenter. C'est quelqu'un qui est normal. Il ne peut pas venir attaquer une femme sur son corps. Surtout quand on sait que ça va un jour, ça va tomber. Un jour ou l'autre. Ouais, et des garçons, ils ont des moments, Jésus à la maison, des soeurs, des cousines, des frères, ils vont venir écrire ce genre de choses sur une femme. C'est comme ceux qui sont à la maison, ils portent même quand ils sont là, Dieu le dit, quand on met une femme sur les réseaux sociaux, la fille est sale. Et toi? Ton relation n'a pas changé, c'est pas moi ici. Moi, ici, je n'ai pas changé, tu es sur ta peau, fille, elle est sale. Ouais, d'accord. C'est d'accord. Intéressant. D'accord, voilà qui est bien dit. Mais, voilà, j'ai posé une question directe. Eunice, tu es homosexuel ou bien tu n'es pas homosexuel? Il faut dire la vérité aujourd'hui. C'est ça, moi je suis une femme qui aime les hommes. Tu vois, j'aime les garçons. Donc tu n'es pas lesbienne? Non, pas du tout. Mais c'est quoi ces photos, ces captures, que même la go même, qu'on dit que c'est ta chérie, c'est ton ou ta chérie, je ne sais pas comment dire ça. Non, c'est même pas tu. Elle là. Il y a des preuves sur internet. Ce n'est plus une amie. Ah bon? C'est ma soeur. C'est ma soeur. On a tellement fait des faux oui. Des faux oui, genre la piment. Non, qu'est-ce que tu as dit la piment? Tu as dit les sorties, tu vois, quand tu es jeune, tu es plus jeune, les sorties passées, vous partez dans tes promenades par là. Voilà. Tout le temps à la maison, en tout cas, c'est plus une amie, c'est une soeur. Moi, le petit côté qui me gêne, c'est qu'on l'a exposé et puis bon. Elle, mais c'est quelqu'un qui n'est pas. Elle n'est pas. Très forte mentalement, c'est quelqu'un qui est très faible très fragile. Donc elle sera fatiguée un peu, mais je lui ai dit il faut te calmer, ça va leur passer. Comme moi, je sais que je ne suis pas comme ça, quand ils ont fini de parler de leur passé. Parce qu'ils disent qu'ils ont vu des preuves, que les messages sont écrits dedans, que non, c'est pour moi, bien quoi. Moi, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, moi, ma propre, c'est quand on marche, je tape sur ses fesses. Ça arrive. Entre nous-mêmes, femme là, il n'y a pas une femme qui a dit qu'elle n'a jamais touché celle de sa camarade comme ça, bien à travers fait sur ta camarade. Ça n'est pas une femme lesbienne. On a beaucoup d'amis, mais on sait que parmi tous nos amis, c'est moi qui suis plus proche d'elle. Tu comprends? D'accord. Ah, quand je dis, ah, vous allez finir, mais ça là, c'est pour moi. Ça ne veut pas dire que je sors avec elle. Et que vous allez faire camarader à elle jusqu'à. Mais elle sera toujours avec moi. Et nous deux, maintenant. S'il y avait un pari là. C'est ça qu'il s'agit. Non, mais c'est ambigu. Mais c'est pas ambigu. Tu peux pas dire que ta camarade c'est pour toi. Pourquoi? Non. Si ta camarade c'est pas pour moi, toi. Moi là, je parle. Si, je parle comme ça. D'accord. C'est ta façon de parler en fait. Oui, même à maman, je peux dire ça. Quand nos cousins vont venir, vous avez fini, mais ça, c'est moi et j'ai. Tu vois, c'est moi et j'ai. Voilà. C'est ma maman. C'est comme ça. Et puis même quand on dit jalousie, nous, elle finit avec jalousie, mes camarades. Mais pourquoi on t'a jamais vu? Les autres dames qui sont, comment je peux dire ça, qui sont publiques comme toi, il y a certaines, pas toutes, hein, mais il y a certaines, on sait que bon, voilà, c'est un gars qui est là, mais toi, on ne connaît pas ton gars, c'est qui? On veut le connaître. Pour que cette histoire-là, ça disparaisse. Parce que tu as encouragé les gens, parce qu'on ne connaît pas ton gars, donc on peut mettre ça sur toi. Ou bien? C'est ça, je ne peux pas mettre. Moi, je ne fais pas publicité de relations, je fais publicité de marques.
Je ne peux pas prendre le garçon pour poser tout sur mon gars et puis demain on n'est pas ensemble. Demain encore, je prends le gars, on n'est pas ensemble. Je dis le garçon, comment je vais présenter là? Au moins, il a fait pourquoi il a fait d'autres. Il a fait d'autres. La Bible dit que, ah, voici. D'autres en rétit. Mais voilà, la Bible rétit la d'autres, c'est pas grave. Au moins, il m'a honoré devant mes parents un peu. J'ai dit que là, c'est mon gars. Mais je n'ai rien fait. Parce que c'est pour moi, on a nos petits caleçons là. J'ai dit que non, voici mon gars, c'est pas grave. Il cherche quoi, mais de ma vie. Non. Si c'est ça, il n'aura pas dit que je suis l'esprit. Parce que je ne l'ai jamais. S'il ne m'a pas doté, je ne vais pas dire que lui, c'est mon gars. Mais c'est un ensemble, on est là, sublime. Tu es venu me saluer, tu es venu mon camarade. Puis, il ne peut pas parler. Il ne m'a pas envoyé quelque chose. Ah, donc tu as quelqu'un qui partage ta vie actuellement. Oui, bien évidemment. Il est là, mais il n'a pas compris quelque chose. Donc, on est là, c'est comme si. Il s'appelle comment? Je ne vais pas dire ça. Aïe. Non, aïe. Il ne veut pas publicité. Alors, mon frère, si tu nous regardes, Eunice dit. Tu ne l'as pas encore doté. Donc, elle ne peut pas parler de toi quelque part. Voilà. Même si le dernier est bien pointé, là, le dernier a sa chance. Si le dernier est bien doté, le dernier peut avoir sa chance dans le mouvement. Donc, dès maintenant, là, si tu es malin, pour prendre ta chose là, tu vas aller la doter tranquillement. Là, tu es tranquille. Bon, mesdames et messieurs, en Côte d'Ivoire, on parle comme ça. Ta chose, ça ne veut pas dire que c'est une chose. Hein. On se comprend déjà. Voilà un peu. Donc, ça veut dire qu'il est là, mais il n'a pas encore fait le pas. Voilà. Donc, tu ne peux pas le présenter. Il n'a pas le présenter, il n'a pas m'excuser. Donc, Eunice n'est pas lesbienne. Pas du tout. Si. Eunice n'est pas lesbienne. J'ai vu même pas sentir que non, dans une semaine, si je n'ai pas dit que je suis lesbienne, moi j'ai sorti sex tape, moi et femme. Oui, j'ai apprendre des choses sur moi. Il dit, mais je vais apprendre des choses sur moi. Hein. J'ai attendu une semaine à début, elle n'a pas sorti. Il était pressé comme ça. Il était pressé de voir la sex tape. Il était pressé de. Il a pas de rire. D'accord. Alors, Eunice, on quitte un peu dans les affairages. Maintenant, on va parler de ton actualité. Voilà, j'ai appris, le dernier a appris que tu prépares un one-woman show. Est-ce que tu as déjà calé la date ou tu es en préparation pour l'instant? Actuellement, j'ai fait le one-woman show. La date, là, c'est la date qui sera mon spectacle. Donc, j'ai la date, ils vont savoir. Ça vient. Mais en tout cas, le spectacle aura lieu. C'est 2 jours, là. On a besoin d'innover. D'accord. On ne va pas faire tout ce que les gens font d'habitude. D'accord. Explique-nous un peu. Moi, actuellement, j'essaie de dire ça. Comment je vais prendre. Parce qu'actuellement, j'ai eu un parrain. Peut-être que les gens vont aller les chercher en car, puis ils vont découvrir le lieu le même jour. D'accord. C'est un nouveau truc que tu veux envoyer. Un nouveau truc. Mais est-ce que tu n'as pas peur que les gens ne viennent pas parce que. C'est pas la masse qui m'intéresse. Quand ils vont comprendre le système, ils vont venir encore. Donc, le premier année, je n'ai pas besoin de masse. Ah, c'est-à-dire que tu n'as même pas peur de taper photo. J'ai pas peur. Taper photo, là, c'est quoi. Si ma tête n'est pas cassée, je vais faire encore. C'est ça, lui, il ne m'a donné rien. Ouais. Donc, là, peut-être le jour où j'y même, ils vont savoir le lieu du spectacle. D'accord. Mais Eunice, bon, nous, on t'a connu pour tes vidéos, gags et tout. Voilà, pour essayer de taquiner un peu les gens. Mais... Eunice compte sur quoi pour aller faire un one woman show? Est-ce que toi tu es une humoriste en tant que telle? Oui, Eunice, non, elle est humoriste aussi. Je fais de la scène. Mais seulement, comme vous ne m'avez pas encore vu dans Bonjour, vous ne savez pas. Et maintenant, ici, si je ne parle pas dans Bonjour, vous savez que je n'ai pas humoriste. Sinon, je fais de la scène. Quand j'ai commencé mes vidéos, j'ai dit que dans la vidéo, je n'ai pas moyen dedans. Ça n'a pas mon regret ou pas. Je fais ça pour la passion. Maintenant, si je veux faire de ça un métier, je vais essayer de me lancer sur scène. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre les grands frères passés par là, un peu, j'ai regardé un peu. Et inconsciemment. J'ai cru te voir au Parlement du Rich, il a fini une scène de voir. Non, inconsciemment. Moi-même, c'est venu aussi, puis j'ai commencé à prendre aussi le micro souvent. Je tapais un peu, je zaillais un peu, mais bon. On finit pas d'apprendre. Voilà, donc ça commençait à venir. D'accord. Après, je suis parti faire Parlement du Rich, comme tu dis là, après, je suis allé faire Abidjan Capital du Rich. D'accord. Quand il y a un show, il y a un grand frère, en tout cas, je suis là-bas, je suis parti. C'est important. Et un peu, j'apprends. Même si on dit, ah, il y a un petit où ici, mon ami joue là-bas, je vais en soutien. D'accord. Ça me permet de me former moi-même. Maintenant, là, comment tu comptes gérer? C'est quel plan de carrière tu as? Tu comptes peut-être laisser la musique à un moment ou tu comptes faire tes one-woman shows, continuer tes vidéos, faire la musique en même temps, faire tout ça en même temps? Je vais changer. Je vais faire vidéo. Je vais comprendre, faire et voilà, de l'humour sur scène. Parce que même là, l'humour sur scène là même, oui. C'est ça même là même. Qui est ta passion en fait. Qui peut me tuer. C'est ça le truc. J'ai besoin de ça. Ok. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours avec Eunice Zunon, alias Zunon Bouk. Voilà.
Alors, dis-moi, l'émission est maintenant finie. Moi, je vais te demander de dire ton mot de fin. T'adresser aux gens qui ont peut-être une mauvaise image de toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire là maintenant? Voilà. Pour leur dire, arrêtez d'avoir des préjugés. Vous ne connaissez pas une personne. Limitez-vous à ce que la personne vous présente, c'est-à-dire mes vidéos, parce que vous ne me connaissez pas vraiment. Ça ne sert à rien d'envoyer des commentaires sur des choses que vous imaginez. C'est pas intéressant. Sortez du monde, voilà ma vague, venez dans le vrai monde. Venez sinon, j'ai une fille vraiment très aimable, qui aime tout le monde. Voilà, je suis sympathique, ouverte. Je suis ouverte, voilà, aux gens. Et moi, je vous demande vraiment de m'excuser, je vous demande pardon. Si je vous ai frustré, même si je vous ai mal parlé à un moment donné, même si je me suis énervé et tout, j'ai mal réagi, je m'excuse. Et allons sur de nouveaux sentiments. Voilà, allons sur une nouvelle base. Et j'ai besoin de votre soutien dans ce que je fais, parce que sans vous, voilà quoi. Il y a des vrais humains, sinon, ils vont vous disparaître. De toute façon, je m'en coupe moi-même à Banane. Les entrées. N'oubliez pas de me suivre sur mes différentes pages, sur Facebook, sinon vous professez. Professez, elle n'est pas officielle, je suis bizarre, quand même bizarre. Sur YouTube aussi, sinon Tube, et sur Instagram, sinon beaucoup grave. C'était ça, et puis je vais faire à Capella si je vois vos premières réactions. On va lui donner la voix. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'émission Fafa. Voilà, vous étiez avec le dernier et celle qu'on appelle Zinobook. Alors, vous pouvez aller sur notre page Fafa officielle, c'est sur Facebook. Vous pouvez aller sur mon Instagram, le dernier official, vous poser des questions, nous donner des suggestions. Alors, aujourd'hui, on veut que vous receviez telle personne, telle personnalité. Et on va vous écouter, on va laisser comme ça, on est pour la Fafa. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Je dis, attends, on ne peut pas couper. Hein? Avant qu'on me demande, c'est quelle lunette elle a portée. Ben, moi-même, si je vois la vidéo, je vais faire une vidéo sur moi pour dire pourquoi j'ai porté une lunette. Je vais répondre. J'ai porté une lunette comme ça parce que Martin Bonheur, je n'ai pas bon lunette. Ce n'est pas parce qu'il veut que ce soit joli. J'ai porté juste pour cacher mon visage. Donc, si vous ne pas bien les yeux, c'est le but. Voilà qui est bien dit. Mais pourquoi la Capella va t'appeler? Mais j'ai soif. Elle va devenir capricieuse. Elle est déshydratée. Elle peut chanter même en dents, on met de l'eau, tout ça. Oui, c'est important. Faut se jouer les stars pour les stars. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même en tête. Nous étions avec le Tanyeri. Vous avez toujours à la caméra celui qu'on appelle Soko Soko, William Santiago, sans oublier. Ça vous met fatigué. Hein? Voilà, sans oublier l'homme qu'on appelle Madoché et Abou. Abou Bakayoko qui est aussi à la post-production. On est ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. C'était Fafa.